Claudia. Bonjour et bienvenue à cette conférence Aparté présentée par EY. Je m'appelle Maude Bédard-Dufour, je suis gestionnaire des affaires gouvernementales chez EY. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir, en fait pas vous voir, mais de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence Aparté. Aparté, c'est une série de conférences qui s'intéresse au parcours, aux expériences et aux défis auxquels font face les entrepreneurs afin d'humaniser leur cheminement professionnel. C'est grâce à EY qui nous permet de donner vie à ces conférences et ces conversations enrichissantes pour notre communauté qu'on peut vous présenter cette conversation aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux de présenter une conversation sur l'exportation du média indépendant Urbania avec son fondateur Philippe Lamarre et sa vice-présidente Raphaël Wiesmann. Je passe maintenant le micro à Catherine Mathis, directrice de la veille stratégique du Fonds des médias du Canada, qui modérera cette conversation. À toi, Catherine. Merci beaucoup, Maude. Peut-être que maintenant, on peut les appeler Raphaël Lamarre et Philippe Wisson. Peut-être que leur cerveau commence comme ça là, à se fusionner avec toutes les années. Bienvenue à tous. Bienvenue, Philippe et Raphaël. Donc, rapidement, je vais quand même vous présenter votre parcours impressionnant à tout le monde, parce que oui, on va revenir un peu sur cette bête qui est Urbania, cette bête à plusieurs têtes qui est devenue Urbania avec les années. Alors, Philippe, tu as fondé donc ton propre studio de création en 2000. Ensuite, Urbania est arrivé en 2003. Bon, au départ, c'était un magazine trimestriel. On parle d'un ton, d'un design audacieux. Il y a plusieurs, peut-être, couvertures là, qui vous reviennent en tête. En tout cas, moi, c'est le cas. Et aujourd'hui, bien sûr, Urbania est devenu beaucoup plus que ça. C'est une marque média multiplateforme, beaucoup d'antennes, beaucoup de collaborations externes également, notamment avec Radio-Canada, RDS et La Presse Plus. On pourra y revenir. Raphaël est au sein d'Urbania depuis 2008, l'année même où Philippe a gagné un prix de design Montréal. Peut-être qu'il y a un lien là. Peut-être qu'il y a eu une inspiration de se joindre à Urbania à ce moment-là. On ne saura pas, l'histoire ne le dit pas. Elle a d'abord été chargée de plusieurs projets télé et web. Elle est devenue productrice en 2009. En 2015, elle est devenue associée et vice-présidente d'Urbania. Elle supervise les activités de production originale, d'agence de contenu et de médias de l'entreprise. Donc, merci beaucoup à vous deux de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci de nous prêter vos lumières parce qu'on vient de vivre, franchement, tous, hein, tout un chacun, là, une année très, très particulière. Le milieu de la production, le milieu médiatique ne fait évidemment pas exception à cette règle-là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui ont fait preuve de résilience dans la dernière année, mais ce ne sont pas les mots nécessairement qui viennent en tête quand on pense à Urbania. On entend beaucoup plus souvent le terme audace. Et donc, on va pouvoir y revenir aujourd'hui. Peut-être même démérité, mais c'est vous qui allez me le dire si ça s'applique. Hein, parce qu'on va parler évidemment de ce lancement auquel vous travaillez très fort, ce lancement d'Urbania France. C'est pour citer Molière, puisqu'il sera question des Français aujourd'hui. Mais que diable allait-il faire dans cette galère, pourrait-on vous demander? Donc, avant là, de lancer toute cette histoire-là, j'aimerais simplement qu'on revienne un peu sur Urbania, sur ce qu'est cette bête à plusieurs têtes que je mentionnais tout à l'heure. Et donc, j'ai quelque chose d'un petit peu particulier à vous demander. Je sais que vous êtes du type aventureux, alors ça ne vous fera pas peur. J'aurais envie de demander à Philippe de me faire le pitch d'ascenseur de 2003 pour Urbania. Qu'est-ce que c'était en 2003 que cette entreprise-là, l'idée, l'initiative que tu voulais mettre de l'avant. Et Raphaël, tu pourras suivre avec le pitch d'ascenseur de 2021, qui sera évidemment très, très différent, on se l'imagine bien. Donc, Philippe, à toi la parole. Merci Catherine. Bon, je vais me reculer 15, non, 18 ans en arrière. À l'époque, moi, j'ai lancé mon entreprise, mon studio de création, parce que j'avais essayé de travailler pour d'autres. J'avais travaillé en agence, en studio de design. Puis je suis un piètre employé, je suis indomptable, je n'aime pas me faire dire quoi faire et quand on me dit d'aller à gauche, j'ai tendance à aller à droite. Donc, j'ai lancé mon studio par désir d'émancipation, désir de refus d'autorité,
par refus d'autorité plutôt. Et puis, bien, au fil du temps, bien, je me suis aperçu que, bon, avoir des clients, c'est un peu avoir des patrons. Fait que je me suis dit, bien, je vais créer un projet qui va me permettre encore une fois de fuir l'autorité. Donc, j'ai vraiment inventé avec une bande d'amis, avec mon associé de l'époque, Vianney, puis avec tous les gens avec qui me côtoyaient à l'époque, un magazine. J'ai rassemblé des gens autour de cette table que vous voyez ici. C'était exactement autour de cette table-là que ça s'est passé. J'ai dit, inventons un magazine. On est au mois de mars en 2003. Puis là, j'ai planté un drapeau dans le calendrier. On s'est dit, on lance ça le 21 juin. Et puis, le but, c'était de se faire du fun. Le but, c'était de sortir de notre bureau, lâcher nos ordinateurs, puis aller à la rencontre des gens qu'on trouvait intéressants. C'était vraiment un prétexte d'aller à la rencontre de l'autre. Mais c'était aussi un prétexte pour mettre à profit notre savoir-faire créatif. Donc, autant, oui, on faisait du design pour gagner notre vie, mais de faire du contenu, de faire un site web qui accompagnait le magazine, de faire de la vidéo, de faire de l'interactif. Donc, ça a été une espèce de terrain de jeu créatif, un laboratoire pour faire toutes les choses que les clients ne laissaient pas faire. Et à partir de là, ça a été une espèce de rampe de lancement qui nous a servi à la fois de portfolio, d'exutoire, et puis éventuellement, qui s'est transformé en une machine qui est devenue une entreprise dans l'entreprise pour finalement prendre le dessus de l'agence pour devenir l'espèce de porte-étendard de l'entreprise globale au final. Et puis quand je faisais mon pitch d'ascenseur à des clients potentiels, j'ai dit, bien, regardez, c'est un magazine, on ne sait pas combien de gens vont le lire. Il y a 32 pages, il est imprimé en deux couleurs, il y a plein d'amour là-dedans. Embarquez, puis un jour, vous allez être fiers d'être embarqué dans le premier numéro. C'était ça le pitch de l'époque. Eh bien, ils ont eu sûrement raison de le faire, effectivement. Donc, Raphaël, en 2021, c'est quoi Urbania? Aujourd'hui, bien simplement, on est un média de divertissement intelligent, francophone pour les jeunes adultes curieux. Pour les gens curieux, en fait, là, les jeunes de cœur comme les jeunes de corps. Puis, à la fois, on est ce groupe média-là, on est une agence de contenu, on est une maison de production originale, puis un laboratoire technologique. In a nutshell, là, très, très rapidement, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Puis avec des activités à Montréal, puis en France, avec le désir de conquérir toute la francophonie mondiale internationale. De petites ambitions, mais tu sais, on est parti, je suis rentrée en 2008, on était genre 8, puis là on est 63 permanents, fait que c'est ça. Puis ce qui est... Puis dans ce qui évoquait Raphaël, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, de tout le temps faire des projets qu'on n'a jamais fait avant, ça fait vraiment partie de notre ADN, de tout le temps se mettre un peu en danger. Tu sais, avant de faire un magazine, j'avais collaboré à des magazines, mais j'avais jamais fait un magazine de A à Z. Avant de faire des sites web avec de la vidéo et de l'interactif, genre, tu sais, j'en avais jamais fait. Avant de faire des émissions de télé, du contenu vidéo. À chaque fois, on se repousse les frontières, on se lance un petit peu dans le vide pour nous mettre en danger, pour voir l'élasticité de la marque Urbania, jusqu'à quel point elle va répondre, puis à quel point nous, on va justement s'inventer. Puis je trouve qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose sans jamais l'avoir fait précédemment, bien, on le fait sans a priori, sans espèce de recette ou sans avoir peur. Parce que c'est souvent ça, l'expérience, c'est bon parce que ça nous fait économiser du temps, mais ça fait en sorte aussi qu'on a peur parce qu'on connaît les écueils. Puis connaître les écueils, bien, souvent, ça fait en sorte que tu prends les chemins battus. Puis prendre les chemins battus, c'est prendre le même chemin que tout le monde. Donc, l'espèce d'une candeur qu'on a la première fois qu'on fait quelque chose, fait en sorte qu'on le fait différemment des autres. Puis ça a été un petit peu notre signature au fil du temps. Puis le fait est, c'est que tu as eu une mini-expérience en agence avant. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie balnéaire, mais le fait est, c'est que c'est notre seul job à toutes les deux au balnéaire. Fait qu'on l'a toujours fait comme on pensait, avec intuition, faire avec autodidacte. C'est pour ça que je pense qu'on fait les choses un peu différemment. On fait... C'est ça qu'on s'imagine, et surtout comme on a envie. On modèle l'entreprise comme l'endroit où on aurait aimé travailler si on avait été domptable, les deux. Pour que les gens comprennent bien le ton, justement, d'Urbania, je propose qu'on écoute une petite vidéo que vous nous présentez aujourd'hui. She takes the sidewalk you walk on and turns it into a stage. Just like a catwalk to walk on. These streets are calling her name. It's capitalism, right? She has a weather shake. Just like a goddess, she flawless. Pulls off a turtleneck. She dances moves that are new to you. She's like a discotheque. Can't fit her into a box, no. She turn it into a stage. Damn, in the fireworks, like flying higher and higher, out of the sky, I can
don't divide us. They're just keeping the vibe so alive. Wow! Il y avait pas mal de stock là-dedans pour, en bon français. Donc ça, c'est quoi? C'est les projets sur lesquels vous avez travaillé récemment? C'est devenu ça l'ADN d'Urbania? Bien, c'est pas l'échantillon de ce qu'on fait en production vidéo, mais comme disait Raphaël tantôt, on a des plateformes avec du contenu rédactionnel, on fait des podcasts, on fait aussi des projets interactifs. Fait que c'est sûr que là, dans une bande-annonce comme ça, on met surtout les projets vidéo. Mais tu sais, l'ADN d'Urbania, en fait, c'est l'intérêt pour l'humain, c'est l'intérêt pour les histoires, pour le storytelling, c'est s'intéresser à l'autre, c'est beaucoup aller vers l'autre. Dit tout le temps que notre mission, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. Ça a l'air bien abstrait puis onirique, mais en gros, c'est de rapprocher les gens sans jugement, avec bienveillance, tu sais, puis comme tu disais, tourner le regard vers l'autre, puis je pense que ça le représente bien dans ce démo-là. Puis après ça, on utilise les outils que, qui sont ceux du contenu, justement, de l'écriture, l'audio, la vidéo, l'interactivité, pour mieux raconter les histoires possibles. Puis cette espèce de recette-là qu'on a développée au fil du temps, parce que c'est sûr que, quand je parlais tantôt du premier magazine en 2003, c'était vraiment un projet de juste décoller de nos bureaux, aller rencontrer les gens, mais après ça, à essayer des outils technologiques, à essayer des nouveaux, tu sais, à faire de la télé, à faire des projets interactifs, bien, ça nous a montré toute l'espèce d'arsenal que procure la nouvelle technologie pour justement raconter les histoires le mieux possible. C'est un petit peu ça qui est devenu notre marque de commerce. C'est Urbania, c'est une espèce d'état d'esprit, mais après ça, qu'on utilise après ça tous les outils à notre disposition pour les raconter. Puis, tu sais, hier soir, je te donne un exemple, il y avait à Télé-Québec une compétition de rap qu'on a présentée qui s'appelle « La fin des faibles », qu'on a produite. On n'avait jamais fait de compétition chez Urbania. On fait des shows comme c'est juste de la TV. On a fait des shows plateau dans différents réseaux. Et là, de faire une compétition de rap en pleine pandémie, c'est exactement ça. On n'avait jamais fait ça. On a sauté à pieds joints. C'était très casse-gueule comme situation. Mais on a livré à marchandises. Le show a joué. Puis les gens ont aimé ça. Fait que c'est un peu ça notre ADN. Puis ça s'inscrit là-dedans aussi notre désir de nous exporter ou d'aller dans d'autres territoires. C'est un peu la même démarche et tout. Parce que c'est pas tant une fuite qu'un désir de tout le temps nous mettre en danger pour aller là où on ne nous attend pas. Ben oui, parce que vous, visiblement, vous carburez au défi là, chez Urbania et que vous vous êtes dit, bon, une pandémie mondiale, c'est bien beau, mais il faut continuer à vivre, n'est-ce pas? Et donc, vous avez décidé cette année-là, j'imagine que c'était en chantier, mais vous avez surtout décidé de poursuivre le chantier. C'est surtout ça, en fait, qui est étonnant dans votre décision. Parlez-nous un petit peu d'Urbania France. C'est quoi ce projet-là? Ben, comme tu dis, ça fait longtemps que c'est en chantier. Là, je pense que dès 2015, on a fait un numéro sur les Parisiens du magazine imprimé, justement, parce que on avait déjà cette intuition-là, puis cette impulsion de traverser de l'autre côté de l'Atlantique. Tu sais, je pense que ça provient d'un désir purement philosophique de créer des ponts dans la francophonie. Tu sais, il y en a plein dans le monde anglophone, entre l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais il y a cette espèce de barrière de l'accent en français qui nous gosse profondément. Puis on avait envie de ça, il faudrait le sous-titrer, ça. Ces barrières-là. Oui, ouais. Ça, c'est vraiment frustrant. Mais pour enchérir, il reste que, tu sais, longtemps qu'avec le magazine, qu'on allait voir les agences pour vendre la pub, et les gens nous disaient, mais tu sais, pourquoi vous n'allez pas en anglais à Toronto pour y avoir des annonceurs nationaux au Canada? Puis tu sais, ça semblait la voie la plus logique parce qu'effectivement, d'avoir des annonceurs juste pour le Québec, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de budget qui se décide à Toronto. Fait que le choix rationnel eût été d'aller ouvrir Urbania in Toronto on Queen Street West. Mais c'est plate, mais comme disait Raphaël, ça vient vraiment d'une affinité, en fait. Puis on le voit depuis les débuts d'Urbania, tu sais, il y avait beaucoup de Français qui s'intéressaient au moment où on a lancé le magazine, qui nous envoyaient leur candidature, des gens qui nous écrivaient pour dire que quand un de leurs amis qui arrivait de France, ils voulaient lui faire goûter le Québec médiatiquement, mais ils leur donnaient des magazines Urbania. Fait qu'on a toujours eu le sentiment que les Français, un, aiment le contenu, aiment les magazines, aiment la culture, justement, un peu champ gauche que procure Urbania. Et puis,
Oui, on a fait un magazine sur les Parisiens à l'époque, qui était une façon d'aller nous tremper dans l'orteil outre-Atlantique, mais on a aussi fait un projet qui s'appelle Fort McMurray avec l'ONF à l'époque, qui était un gros web documentaire sur la ville de Fort McMurray en Alberta, qu'on avait fait avec un réalisateur français émigré au Québec. Et puis, dans le cadre de ce projet-là, on a travaillé avec Arte en France, donc la chaîne qui est un peu une chaîne franco-allemande, qui est un peu l'équivalent d'un Télé-Québec. Supposons que c'est une chaîne un petit peu plus pointue, mais avec vraiment des contenus intelligents et des gens intelligents. Puis on a développé des relations avec les gens de chez Arte. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est mis à justement travailler en direct avec Arte, à faire des projets avec eux, à avoir des contacts là-bas. Et puis, tu sais, sincèrement, c'est un projet sur Fort McMurray en Alberta. C'est un sujet extrêmement canadien. Mais il y a eu beaucoup plus, on les appelle les joueurs parce que c'est très interactif, c'est un jeu documentaire. Il y a eu beaucoup plus de joueurs en Europe francophone qu'il y en a eu en Amérique du Nord. Il y a plus de monde, mais on a aussi eu le plaisir de travailler avec la France. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai qu'une réunion qui prend 10 minutes au Québec prend une heure en France. mais il y a aussi un plaisir qui vient avec ça. Aller en France, travailler, rencontrer des gens, rencontrer des voies de production, des médias. Un, ça nous a fait réaliser que le marché est vraiment plus dense là-bas. Il y a beaucoup plus de joueurs en France. Cela dit, on regardait un petit peu l'historique québécois d'exportation culturelle. Et oui, on a envoyé des chanteurs depuis longtemps, des comédiens, des films qui ont voyagé. Des humoristes. Là, on a commencé à regarder du côté des médias. Il n'y avait rien qui avait vraiment été fait. T'sais, oui, il y a des boîtes de production qui vendent des programmes en France ou qui co-produisent avec la France. Mais vraiment de prendre une marque comme Urbania et de dire « OK, on va aller l'offrir aux Français, on va l'adapter, on va prendre… » Tu sais, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas nos contenus ici et on ne met pas des « du coup » au début des phrases. Là. On a vraiment une équipe originale qui fait vraiment du contenu original là-bas. Donc, notre but, c'est de prendre l'ADN de la marque puis de la transposer dans un territoire français et voir comment ça répond. Fait que c'était ça l'idée de base il y a 5 ans. Puis évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, tu sais, c'est… Ça fait des années qu'on ramasse les profits d'entreprise, qu'on se garde un petit trésor de guerre dans le but, un, de financer la croissance, mais de financer un projet comme celui-là. On est allé chercher des aides aussi à différents endroits, justement, pour nous aider à bonifier ce trésor de guerre-là. Mais à un moment donné, on a fait toutes ces rencontres-là, puis une des choses qu'on s'est aperçu, c'est que si on allait le faire nous-mêmes, là, supposons que Raphaël allait vivre en France pendant 2 ans pour bâtir tout ça, bien... Ça finirait par marcher, mais ça prendrait 5-10 ans à faire. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment aller trouver des partenaires avec qui bâtir ça. Et nous, on est leurs interlocuteurs, on bâtit ça, mais on a vraiment trouvé des partenaires sur place qui nous aident à bâtir la marque. Donc, des gens qui ont déjà des réseaux, des gens qui connaissent l'univers. Et nous, on a aussi des contacts. Mais tu sais, de prétendre, nous, gérer 2 entreprises, une à Montréal, une là-bas, en faisant tout ça en même temps, c'était un petit peu utopique, on s'en est vite rendu compte. Non, puis on est aussi en phase de croissance, puis de consolidation au Québec aussi. C'était pas, comme tu dis, c'était pas réaliste de juste laisser de côté l'enfant numéro 1 ici, puis d'aller s'occuper exclusivement de l'autre là-bas, ça fonctionne pas. Mais c'est ça, donc d'aller rencontrer des gens, c'est... Vas-y, Catherine. Ouais. Non, excuse-moi, je voulais pas te couper, il y a un petit délai, là, on s'excuse. Non, mais c'est ça, donc d'aller rencontrer des gens, c'est vraiment, tu sais, c'est plusieurs années de travail, plusieurs fois des voyages, aller nous asseoir avec des gens, faire plein de rencontres. Parfois éclairante, parfois des grandes déceptions, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on a vraiment, on s'est fait à l'idée que oui, c'est une bonne idée parce qu'on sentait que les gens nous encourageaient, mais comme n'importe qui viendrait me dire « Ah, je veux lancer quelque chose à Montréal », je dirais sûrement « Bonne chance, ça va être le fun ». Les Français ont été très gentils puis accueillants. Et évidemment, jusqu'au jour qu'on verra qu'on commence à manger leur steak, on verra comment ils vont réagir, mais pour le moment, tu sais, c'était un bel accueil. Est-ce que le contexte très particulier de la pandémie vous a aidé un petit peu? Je m'explique. On a tous, dans cette industrie-là, arrêté pas mal, presque du jour au lendemain, dans la même semaine. Là. Il y a eu une espèce d'accalmie soudaine que personne ne souhaitait, bien évidemment, mais qui a permis à certaines opportunités de se faire, à certaines collaborations de se faire, ne serait-ce que pour survivre dans certains cas, mais dans d'autres cas, comme peut-être le vôtre, de faire émerger certaines idées qui, justement, prenaient toujours un peu le pas parce que, bon, le reste de l'entreprise devait, le reste des activités devait se poursuivre. Est-ce qu'il y a un peu de ça, est-ce qu'il y a un peu de contexte qui vous a aidé malgré la difficulté qui l'accompagnait? Bien, tu as utilisé le terme « accalmie ». Dans notre cas, ça a été un carambolage monstre. C'était pas une accalmie, c'était pas comme un doux ralentissement des activités. T'sais, parce que nous, on a officiellement mis en place les entreprises en janvier dernier.
Ouais, puis nos deux, parce qu'on a, on a bâti, on a monté deux sociétés, une pour la prod originale, plus télévisuel, numérique, puis une autre pour la partie plus média. Donc, nos deux partenaires étaient avec nous la semaine du 10 mars. Fait qu'eux, pendant qu'ils étaient avec nous à faire le tour de nos partenaires, à rencontrer toutes leurs nouvelles équipes, ben, ils apprenaient que leurs enfants, ils rentraient plus à l'école le lundi d'après. Fait qu'ils étaient en mode un peu panique, fait, parce qu'eux étaient deux semaines d'avance sur nous autres. Fait que ça a été comme une espèce d'introduction au confinement puis à la pandémie un peu en avance, je te dirais. C'est ça. Donc, on est en train d'ouvrir les entreprises. Nos partenaires viennent ici. On a une espèce de canari dans la mine qui s'appelle nos deux partenaires français qui reçoivent des appels de leurs femmes pour leur dire que quand ils rentreraient à la maison, il fallait aller gérer les enfants. Puis là, puis nous autres, dans les semaines suivantes, tous les clients qui arrêtaient, plus capables de tourner nos projets audiovisuels, tu sais, ça a été vraiment un carambolage monte. Évidemment, les premières semaines, tu sais, on trouvait que c'était la pire idée au monde de se mettre à dépenser de l'argent pour aller outre-Atlantique. Là, on s'est dit, il y avait plus d'argent qui rentrait, donc on s'est dit, là, on va imploser. Mais évidemment, effectivement, on a testé de côté un peu résilient. Puis aussi, tu sais, on est assez, justement, au niveau, tu sais, on est audacieux au niveau du contenu, mais au niveau de la gestion d'affaires, on est quand même assez, assez conservateur. Donc, tu sais, on a commencé à regarder, à faire des plans de contingence, tout ça. Mais après ça, on s'est regroupé, puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on arrête nos activités, on ferme ou on fonce? Parce que de toute façon, tout le monde est confiné, tout le monde travaille à distance. Tu sais, nos adversaires en France, c'est les Combini, Brut, Loopsider, tu sais, les marques médias, justement, qui ont un peu le même créneau que nous, sont dans la même situation que nous, ils produisent à distance. En plus, un de nos partenaires en France avec qui on travaille a aussi une entreprise de production de contenu live, donc Florent Peffer, qui est l'entreprise UbiLive, c'est notre directeur général chez Urbania France. Ben lui, il avait un savoir-faire. Donc, on a dit, ben, regarde, on va s'inspirer de ton savoir-faire de production live. On s'est mis vraiment à développer des nouveaux formats. Et puis, en partenariat avec notre autre partenaire en France qui est à Lyon, qui s'appelle Rémi Leboulet, qui s'occupe de la production, ben, on a invité, Rémi a inventé un format de book club en ligne qu'on a vendu à Arte, qui a été coproduit par Florent, notre partenaire. Parce que c'est en direct. Ouais. Parce que c'est en direct. Donc, on a comme inventé, par la force des choses, des nouveaux formats, des nouvelles façons de produire, qui ont permis, un, de générer des nouveaux revenus en France, chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Mais ça nous a aussi permis d'avoir l'impression que, regarde, on peut quand même bouger, faire des choses. Mais après ça, c'était quand même, tu sais, on était des boules pas de tête, là, il y a un an, quand je reviens un peu en arrière, on courait dans tous les sens en essayant de se dire qu'il faut survivre à tout ça. Mais au fil du temps, arrivé un petit peu en mai-juin, les choses se sont restabilisées, là on a vu que la vie reprenait un peu, là, les clients sont revenus, les productions sont reparties. Donc, les choses se sont restabilisées, ça nous a permis d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les choses. Mais sur le coup, disons, j'aimerais ça dire que c'est une belle histoire de résilience, qu'on s'est retourné sur un scène, puis qu'on a tout mis en place comme une armée suisse, puis mais c'était pas du tout le cas, là, si on s'est lancé. Mais sauf que le fait d'avoir des bons partenaires, d'avoir une belle équipe ici, puis d'être resté calme, puis d'avoir de l'argent dans nos coffres, ça nous a permis de ne pas avoir à paniquer. Puis ça fait en sorte qu'on a pu quand même garder le cap sur nos objectifs. Tu sais, c'est niaiseux, mais un des obstacles qu'on savait qu'on allait avoir, c'est de faire en sorte que nos équipes françaises aient l'impression d'être autant dans l'équipe que nos collègues montréalais. Dit. Fait que le fait que le début de la collaboration avec eux ait coïncidé avec le fait que toutes nos équipes au complet, partout, soient décentralisées, ben on avait soudainement les mêmes moyens de communication avec Rémi et Florent, puis éventuellement notre collègue Romain, que tout le monde ici. Fait qu'on a développé aussi plein de trucs et d'initiatives pour rapprocher nos équipes. Fait qu'au final, ça nous a comme aidé dans cet aspect-là. Parce que c'est vrai que si on avait essayé de lancer ça avec toute notre équipe montréalaise sur place qui collabore ensemble physiquement, puis avec un satellite à distance avec qui on fait des Skype de temps en temps, c'est certain que ça aurait eu l'air d'un petit à côté. Tandis que là, tout le monde est parti sur un pied d'égalité. Puis même nos concurrents étaient dans cette même situation-là, fait qu'on n'était pas désavantagés par rapport à ça. Donc, c'est ça, ça nous a donné un espèce d'air d'aller. Mais après ça, c'est sûr que là, tout ça a l'air bien beau, mais c'est sûr que aujourd'hui, on travaille fort. Bon, la France est plus confinée que nous en ce moment. On leur a parlé encore ce matin. Du côté production audiovisuelle, c'est certain que on travaille avec un producteur qui a déjà des relations d'affaires avec Arte, France Télévisions. Donc, on a déjà des ventes de fait, on a de l'argent qui rentre. Du côté de la partie média, donc bâtir un auditoire en France, d'avoir aussi une agence de contenu, générer des revenus, ça prend du temps. Puis ça, on savait que les premières deux années, pour nous, ça serait de l'investissement. Il faut garder le cap, même si ça nous coûte des sous, il faut le faire, parce qu'on ne peut pas bâtir une audience du jour au lendemain.
Et tu sais, oui, de temps en temps, il y a, tu sais, une chaîne YouTube qui s'est créée, qui s'est montée 200 000 abonnés en 3 mois. Mais ça, c'est, tu sais, c'est un peu comme un cinéaste qui veut être Xavier Dolan. Tu sais, ça arrive une fois sur 1000. Tu sais, puis si t'es pas cet élu-là, ben, c'est pas que tu te décourages. Tu sais, tu peux quand même bâtir quelque chose, mais ça prend juste un petit peu plus de temps. C'est ce temps-là qu'on se donne en ce moment. Oui, mais c'est sûr que dans un autre monde, on aurait fait un lancement officiel à l'automne avec un gros party de lancement comme on sait bien les faire, puis dont on s'ennuie. Oui. Mais là, c'est... On a envoyé une communiqué de presse, puis on a fait une campagne de presse. Mais tu sais, c'est sûr que tout le plaisir de travailler avec la France qu'on évoquait tantôt, toute l'affinité qu'on a avec l'Europe et avec, tu sais, justement, notre mère patrie, ben, c'était pas, tu sais, on n'a pas bénéficié de ce plaisir-là, outre à travers des conversations numériques. Fait que c'est sûr que aller prendre un petit verre de vin sur une terrasse à Paris avec, avec des gens qu'on aime, c'est pas exactement dans nos plans à court terme. Non, c'est ça. C'est pas dans les cartons tout de suite, mais bon, éventuellement, hein, on ose espérer qu'on va y venir. Mais là, vous avez évoqué des termes qui résonnent beaucoup dans la tête des gens. Vous avez parlé de financement, d'argent, de montant, de retombées. Là, il faudrait qu'on se parle de ça un petit peu. Là. Comment on finance ça, là, quelque chose comme ça? Parce que dans le contexte actuel, en plus, quels sont les leviers auxquels vous avez dû faire appel? Comment, là, je comprends que vous avez réussi à bâtir ça sur de nombreuses années. Donc, ce n'est pas un projet là, qui est sorti d'un chapeau comme ça et qui s'est concrétisé en tout début de pandémie. Tout ça est un peu une coïncidence, en fait. Mais comment est-ce qu'on s'y prend? Là? Par quel chemin vous êtes passé pour arriver à consolider là, une espèce de franchise, entre guillemets, d'Urbania en France? Je vais le séparer en deux couches. Okay? Je vais faire la première couche, Raphaël fera la deuxième. C'est sûr que depuis les débuts de l'entreprise, les profits, on les garde dans l'entreprise. Le but, c'est pas de se payer des chalets des cantons de l'Est. Le but, c'est de financer la croissance, donc d'être assez... Ben, on dit pas non, mais à court terme, donc, on garde les profits dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment notre philosophie, c'est ça. On garde l'argent pour financer la croissance, faire des projets, avoir la liberté de dire non aussi à des projets qu'on n'a pas envie de faire. C'est aussi ça, avoir de l'argent dans les coffres. Donc ça, c'est la première philosophie. Ensuite, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit rentrer des investisseurs, donc céder une partie de l'actionnariat et donc avoir des comptes à rendre, avoir, tu sais, céder une partie de notre liberté. Sauf que ça, on a de la misère avec ça. Qu'on avait un petit problème avec l'autorité. Mais en même temps, on ne l'exclut pas pour toujours. Mais disons qu'à court terme, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment ça? Après ça, aller chercher de l'argent, lever du financement, de la dette un peu. On est allé en chercher un peu, effectivement, pour justement financer tout ça, pour ne pas hypothéquer notre trésorerie. Mais après ça, je vais passer la parole à Raphaël, parce qu'après ça, il y a des leviers, effectivement, pour nous aider justement à bonifier notre trésor de guerre. Ben c'est ça, on est allé sur un mélange de financement public, de financement privé, puis de dette, qu'on a élaboré sur un plan d'abord de 2 ans, mais qui inclut aussi plein de ressources internes, parce que c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on a une marque existante, qu'on adapte sur le territoire, mais il y a plein d'assets qui sont communs. Donc, en utilisant beaucoup de ressources internes qu'on alloue en partie à ce projet-là, bien, ça permet quand même de mitiger le risque. Mais par exemple, on est allé, tu sais, le Fonds québécois, par exemple, qui a un programme d'aide à l'exportation. Qui est un investissement remboursable. C'est ça. Donc, ça, c'est un levier parce que le Fonds québécois a comme mission, justement, d'aider les compagnies en production audiovisuelle à s'exporter. Donc, nous, comme on a un gros volet de production audiovisuelle dans notre projet, quand tu allais voir le Fonds québécois, qui s'est associé avec le Fonds des médias pour lequel tu travailles, Catherine, et qui nous ont aidés, qui nous ont donné l'enveloppe. Mais évidemment, ça, c'était le premier volet qui était vraiment de bâtir, disons, je dirais, la première couche pour commencer à envisager de faire le projet, de faire un plan d'affaires, commencer à acheter des... Mais après ça, on est allé vraiment au programme d'exportation créative Canada qui nous a permis de faire le saut dans le vide, qui est vraiment, En fait, ça nous a permis d'aller chercher l'argent qui est de justement monter des équipes, sauter dans le vide. Parce que c'est sûr que d'avoir un projet, comme Raphaël disait tantôt, si on mettait toutes nos énergies à bâtir une entreprise en France, bien, ça pourrait accaparer 95 % de notre temps. Puis là, évidemment, bien, là, à Montréal, comme on sait, bien, si on délaisse une entreprise, bien, c'est sûr qu'elle va diminuer en vélocité. Fait que ça nous a permis justement de monter les entreprises, de prendre des risques, d'aller vraiment sceller des ententes avec nos partenaires. Et puis, mais de le faire sans perdre le contrôle, en gardant la liberté d'action, tu sais, c'est vraiment ça qu'on a chéri. Puis c'est là qu'on aime un pays comme le Québec et le Canada, pour nous, justement, qu'il y ait des aides comme ça qui permettent à des entreprises mais qui ont fait nos preuves. Tu sais, c'est pas de l'argent qu'on a eu qui est tombé du ciel. Tu sais, ça vient d'un track record, ça vient d'un projet solide, ça vient d'une démonstration qu'on engage notre propre argent dans le projet, qu'on a dépensé déjà, on a fait des voyages, tu sais, on a fait plein de voyages, on a fait des coproductions,
T'sais, on a jeté des bases par nous-mêmes, puis après ça, ça nous a donné la petite tape dans le dos supplémentaire financière pour pouvoir faire en sorte qu'on ne met pas l'entreprise en danger en le faisant. Mais cela dit, on a un devoir de réussite. Il faut que ça marche, ce projet-là. On y joue un peu toutes les énergies qu'on met depuis 5 ans. C'est dans les prochaines années que ça va jouer. Fait qu'il faut y croire. Mais tu sais, en même temps, we have skin in the game, comme on dit en anglais. C'est notre argent, là. Oui, absolument. J'aimerais qu'on parle de contenu un petit peu, parce que je trouve ça intéressant comme approche. Alors, ce que vous avez dit, pour des questions logistiques, d'équipe, etc., vous avez décidé de rester intègre à Montréal et donc de créer une autre équipe en France. Donc, ça veut dire que le contenu qui sera créé là-bas sera aussi du contenu local, entre guillemets. On sait que dans ce contexte très particulier qu'on a vécu dans la dernière année, le contenu très authentique, entre guillemets toujours, ce sont des mots tellement valises, mais bon, bref, vous comprenez un peu, à la cote. Les gens se sont tournés vers des contenus qui semblaient proches d'eux, où ils pouvaient se reconnaître. C'est pas toujours des contenus qui viennent de chez eux. On pourrait citer toutes sortes de films ou de séries. Dieu sait qu'on en a vu dans la dernière année, qui ne venaient pas de chez nous nécessairement, mais qui avaient une résonance pour les publics internationaux. Donc là, c'est pas la marque québécoise que vous exportez. Vous allez vraiment développer un contenu français là-bas. Est-ce que c'est bien ça? Bien, c'est l'état d'esprit qu'on exporte, mais il y a des formats qu'on exporte aussi. Par exemple, il y a trois façons de qu'on fait du contenu avec nos équipes françaises en ce moment. Il y a d'un point de vue audiovisuel, il y a des coproductions. Par exemple, en ce moment, on produit puis on diffuse la série Fragments avec Arte, encore une fois, avec notre coproducteur français de P2L. Il y a des histoires, ce sont des témoignages de gens qui racontent un moment de leur vie qui est un peu un point tournant de leur parcours. Il y a des histoires qui sont tournées en Allemagne, en France, ici, puis toutes sont diffusées sur Urbania, autant au Québec qu'en France, et Arte. Donc ça, c'est du transfert de contenu qui est créé en parallèle. Ensuite, il y a des contenus qui sont faits ici, qui sont diffusés sur les plateformes d'Urbania France. Des articles qu'on adapte, donc on adapte le langage au milieu. Oh non, mais des capsules vidéo aussi, sans problème, et vice-versa. Ensuite, il y a des formats qu'on a développés ici, entre autres le format éditorial « Entre moi et moi » où quelqu'un se parle à lui-même avant un événement marquant de sa vie pour lui dire « Voici ce qui va t'arriver ». Tout va bien aller, tu vas comprendre si ça dans ta vie. Ben ça, c'est un format qui a été repris par nos équipes françaises avec des personnages là-bas qui trouvent, qui recherchent sans cesse, puis ils développent des formats de leur côté aussi. Ben tu sais, on se parle constamment, les équipes éditoriales françaises et québécoises sont en constante communication aussi. Il y a toujours des ajustements à faire de ton, tu sais, par exemple, qui est ici une évidence et qui est facile à faire pour nous, l'espèce de ton humoristique dans l'autodérision. Tu sais, on parle de wit, il n'y a pas vraiment de l'humour d'esprit, là, on va dire ça comme ça, mais tu vois, c'est comme plus difficile à traduire avec nos équipes éditoriales françaises. On y arrive, mais le chemin est un petit peu plus long. Mais le wit, oui, mais moins l'autodérision. C'est ça, exactement. T'as raison, tu sais, ça prend du contenu authentique, puis c'est pour ça qu'on a des équipes sur place. Ce qui est intéressant, c'est que là, on en a à Marseille, à Paris, à Lyon, des gens de plein d'origines puis de backgrounds différents. Fait qu'on réussit à reproduire l'esprit puis l'ADN de la marque qui, au final, est assez universel, tu sais. Puis il y a deux aspects. Il y a un aspect de mutualisation des ressources aussi. T'sais, on parle de tout l'aspect technologique, les plateformes, c'est vraiment fait à partir de Montréal. Le design aussi. Notre chef de contenu qui publie tous les contenus sur Urbania.fr, elle est basée à Montréal, donc elle fait vraiment le pont entre les équipes éditoriales et les équipes françaises. C'est elle qui peut spotter qu'un article, par exemple, d'Hugo Meunier, qui a bien fonctionné, si elle adapte 4-5 mots dedans, bien, elle peut fonctionner en France, elle va changer le titre, l'accroche. Donc elle est vraiment l'espèce de pivot entre les équipes. Mais après ça aussi, il y a un désir qu'on a, c'est de créer une espèce d'émulation entre les équipes. T'sais, moi, ce qu'on souhaite aussi, c'est que la France devienne meilleure que l'équipe du Québec, et que là, il y a une espèce de petite saine compétition qui s'installe. Parce que c'est ce qu'on veut aussi. Des fois, on les voit, l'équipe ici, ils sont fous, les personnages qu'ils ont trouvés pour tel truc en France. Bien, ça botte derrière les équipes ici parce qu'ils, pas qu'ils veulent être meilleurs pour les écraser, mais ça crée justement une émulation qui est saine au sein de l'entreprise. Puis ça, c'est le fun de voir ça. Puis après ça aussi, on donne pleine liberté aux Français. On a des formats qui existent, mais on leur donne pleine liberté pour justement les faire à leur sauce puis les nous amener ailleurs. C'est un peu le but, là. C'est pas d'imposer un canevas puis de leur dire voici, appliquer exactement notre recette telle quelle.
Est-ce qu'il y a, parce que Urbania, moi je parle beaucoup de vous parce que j'aime beaucoup votre espèce de vision un peu 360. On avait eu une discussion, Raphaël et moi, dans un barbecue cocktail arrosé à Austin, à South by Southwest, il y a quelques années, où elle m'expliquait justement que, Urbania, c'est plus juste des producteurs de ci ou de ça. C'est très difficile de se coller à un titre comme tel parce que c'est tout, c'est des producteurs de contenu. Et ce contenu-là se décline sur toutes sortes de plateformes différentes. Et j'ai l'impression que ça, c'est une vision qui parle à beaucoup de monde parce que de plus en plus, je sais pas moi, les producteurs télé font plus juste la télé, ils font aussi des fois du podcast, aussi des fois du web, aussi des fois des expériences interactives quand ça s'y prête. Donc ça, j'ai l'impression que c'est une vision vraiment très porteuse. Est-ce que c'est aussi la vision que vous avez pour Urbania France? Est-ce qu'Urbania France s'en va dans une diversification aussi complète des activités que celle que vous avez ici? Bien, on tend à ça, mais ça reste que c'est difficile à faire. On réussit à le faire parce que là, justement, on a des équipes multidisciplinaires qui sont assez imposantes. Comme on dit, on a une soixantaine de personnes, autant en design que des codeurs, que des journalistes, que des producteurs, que des réals, que des monteurs à l'interne. Fait que c'est plus facile dans ce sens-là. Mais c'est aussi, c'est pas naturel. Fait que c'est ça, en fait, le gros de la job, de notre job à Phil et moi, c'est de défaire ces silos-là, parce que l'humain est une bête d'habitude. Fait que, si, mettons, t'es habitué de faire des articles ou tel format de vidéo, ben, t'es confortable là-dedans, puis tu continues là-dedans. Fait que c'est souvent, comme dit Phil, notre job de crisser un wrench dans le moteur, puis de faire comme, puis d'obliger, non, là, vous allez collaborer ensemble, on va se faire un laboratoire pour créer un nouveau format immersif ou participatif pour tel contenu. C'est un travail constant. Ça se fait pas naturellement. Je pense qu'il va falloir le faire, ce même travail-là, en France aussi. Cela dit, pour lancer en France, on s'est quand même discipliné à ne pas s'éparpiller. Ouais. Parce que comme la marque n'est pas connue en France, on s'est dit, si on se met à faire de tout comme on fait au Québec, parce qu'au Québec, comme la marque est connue, on peut aller dans plein d'endroits, faire un podcast avec un humoriste, puis faire des reportages sérieux, puis faire des émissions de rap à la télé. Puis là, la marque Urbania, on voit qu'on peut les tirer dans tous les sens en France. Il faut installer la marque. Fait qu'on s'est donné comme discipline au départ de ne pas arriver avec 22 formats de vidéos, puis des podcasts, puis plein de types d'articles, puis des humoristes, puis des journalistes. Parce qu'on s'est dit, on va confondre les gens, puis ils ne comprendront pas what we stand for. Fait que là, on s'est vraiment donné, par exemple, trois formats en vidéo. On creuse le créneau société, puis on à l'écrit. Fait que là, avant de rentrer avec des podcasts, puis là, on y va vraiment avec parcimonie. On introduit un à la fois pour justement que la marque demeure claire dans l'esprit des gens. De la même façon qu'on l'a bâti ici avec le magazine. Le fer de lance ici, on lance un magazine avec une couverture choc, une thématique. Il y avait un site web qui l'accompagnait. C'était ça, Urbania. Il n'y avait pas 1000 affaires autour d'Urbania. Fait que les gens, ça a été bon pour nous parce qu'on s'est fait connaître comme ça. On était le magazine des couvertures choc, avec un thème. Mm-hmm. C'est comme ça que la marque s'est installée à tous les gens. Puis après, c'est Urbania fait aussi ça. Puis on a amené les nouveaux projets un à la fois. Puis ça s'est fait de façon très organique. Et ce qui a pris 18 ans à faire ici, on va le faire en 5 ans en France. Mais c'est comme ça. Ah, c'est ça, la vision. Ben, on essaie. Mais, tu sais, c'est le défaut de nos qualités. On est tout le temps attiré par les nouveaux projets qui sont stimulants. Fait que là, faut c'est de la discipline. C'est difficile. Il faut se retenir, justement. Quand c'est assis avec les partenaires en France, c'est quand même une discipline de ne pas s'éparpiller. Tu sais, c'est vraiment parce que c'est. Effectivement, on a une petite tendance à tout le temps essayer quelque chose de nouveau qu'on n'a pas fait. Fait que de tout le temps réinventer la roue, là, on est un peu en mode, on bâtit la marque, on le refait, mais vraiment comme il faut, proprement. Je veux juste rappeler à ceux qui nous écoutent qu'on va pouvoir accéder à leurs questions dans quelques minutes, là, dans environ 5 minutes, pour justement essayer de percer le mystère du succès d'Urbania. Mais justement, quelle est la suite des choses pour vous? Tu parlais, Philippe, de ne pas t'éparpiller. Ça peut paraître comme un terme un peu péjoratif. C'est une diversification quand même assez heureuse de vos activités ici comme ailleurs éventuellement. Quelle est la suite des choses pour Urbania? À quoi vous rêvez? Où est-ce que vous allez nous emmener? Quels sont les défis que vous allez vouloir relever? Parce que visiblement, il n'y a rien à votre épreuve.
Ben après, il y a des défis ici, il y a des défis en France. C'est sûr qu'en France, ils sont rendus moins loin dans leur développement. T'sais, en France, du côté de la production, on fait beaucoup de projets, justement des séries documentaires pour les plateformes web de France Télévisions, d'Arte. Éventuellement, ben, il va falloir, entre guillemets, graduer à des shows d'envergure, des documentaires d'envergure. Donc, monter les budgets, mais ça, t'sais, on le sait, avec notre partenaire, on a des discussions, on fait une première embauche d'un deuxième producteur en France. Donc, on est en mode, justement, on va grossir l'offre. Et par exemple, au Québec, ici, depuis un an, ben justement, juste avant la pandémie, on a engagé un producteur en développement pour développer le créneau de la fiction. Chose à laquelle on s'était abstenu depuis nos débuts. On était beaucoup dans le contenu documentaire très authentique. On s'est dit, est-ce qu'on peut appliquer la recette de le rendre d'ordinaire, extraordinaire d'Urbania avec notre approche très authentique au monde de la fiction? Donc, ça a été un peu le défi qu'on a lancé à notre producteur en développement. Donc, c'est vraiment un créneau qu'on est en train de développer. On a plusieurs projets en chantier puis en développement, même avec des diffuseurs en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est de l'inconnu, c'est une zone encore dans laquelle je me sens, on n'est pas nécessairement très à l'aise encore, mais c'est le fun, c'est justement, ça nous ramène un petit peu dans une zone d'inconfort, qui éventuellement, ce qu'on aimerait, bien, c'est ces fictions-là qu'on fait en français au Québec, est-ce qu'on peut faire des coproductions avec la France, est-ce qu'on peut faire des coproductions entre Radio-Canada et France Télévisions, entre Arte Télé-Québec, est-ce qu'on peut amener cette expertise-là ailleurs? Et ce qui est bien, justement, d'avoir une maison de production qui s'appelle Urbania en France, bien, c'est qu'on peut coproduire avec une entreprise sœur. Donc, on peut coproduire avec des gens avec qui déjà on a une relation d'affaires établie. Parce qu'on le fait, la coproduction, puis on a des bons partenaires avec qui on travaille en ce moment en France déjà, parce qu'on a testé d'autres coproducteurs aussi. Mais quand tu as des gens, ton lien d'affaires, c'est un projet, c'est pas comme des gens avec qui ton lien d'affaires, c'est une entreprise. Entreprise, puis de bâtir une marque commune aussi. Surtout. Exactement. Fait que c'est ça qu'on est en train de bâtir. T'sais, ultimement, c'est tout établir ces liens-là. Puis là, c'est alerte mégalomanie, mais là, on commence avec la France. On est présent à Paris, Lyon, mais c'est sûr que la Belgique, la Suisse, on veut qu'à un moment donné, qu'il y ait Urbania qui existe en Belgique, faire des projets avec la RTBF. Ça peut être des projets audio, ça peut être un podcast qu'on va produire en trois pays. T'sais, on vient de faire une émission sur le rap, on ne ferait pas une émission sur le rap, un podcast sur le rap en pays francophone. Puis on disait souvent, quand on faisait notre pitch de conquête de la francophonie, ils ont dit, il y a TV5 Monde qui a un peu le rôle d'établir des courroies de transmission entre les pays d'Afrique, les pays francophones d'Asie, d'Europe et en Amérique du Nord. Ben pourquoi nous, on ne serait pas le TV5 Monde cool des jeunes, de la nouvelle génération qui est plus numérique, mobile? T'sais, c'est une ambition. On ne veut pas devenir une institution financée par l'OIF, là, mais d'avoir l'esprit d'être une espèce de courroie de transmission de pays francophones à l'ère numérique. Je pense que c'est une ambition qui est à la fois noble et un peu qui nous fait chier nos culottes. Tu as parlé de francophonie, mais tu parles surtout de pays européens. Est-ce qu'il y a des ambitions en Afrique? Est-ce qu'il y a des ambitions ailleurs aussi, tant qu'à faire? Bien, c'est sûr que l'Afrique, tu sais, quand tu regardes les statistiques de démographie mondiale, tu sais, je ne sais plus quel, en tout cas, c'est ton chantage, là, 80% de la francophonie mondiale va être en Afrique dans 15-20 ans. C'est sûr qu'il faut l'envisager. Puis pourquoi ces gens-là ne connecteraient pas avec nous? Tu sais, l'Afrique sont un peu isolés au niveau technologique et au niveau du contenu, mais c'est certain qu'il y a des histoires fascinantes à raconter qui viennent là-bas. Je suis certain que ces gens-là aimeraient entendre les histoires qui se passent ailleurs dans le monde, mais pas avec une attitude colonialiste. C'est là que je pense que la posture québécoise est intéressante pour ces gens-là parce qu'on n'a pas une tradition coloniale comme peuvent l'avoir la France ou la Belgique. Donc, on est plus candide, on est plus humble, disons. Donc, je pense que on pourrait être un bon émissaire, disons, pour connecter la francophonie entre elles. On va juste y aller une bouchée à la fois. Voilà, c'est ça. Je sens que Raphaël n'a pas aimé ma dernière question. Non, non, non. Là, non, je l'aime la question, mais moi, je suis la voix de la raison. C'est ça. Souvent, moi, je suis celui qui rêve dans tous les sens, puis Raphaël est un petit peu plus rationnel. C'est ça, je voyais pour le faire. Moi, après, je suis comme, arrête-là. Justement, quand vous regardez le contexte actuel, là, c'est les gros défis sont où? Sont dans ne pas savoir quand on va revenir à une certaine normalité, entre guillemets, sont dans les défis technologiques, sont dans les défis culturels, peut-être, de communication. Et où est-ce que ça se situe pour vous, là, le principal, la préoccupation du moment? Ça fait un an qu'on navigue à vue. T'sais, ça fait un an qu'on apprend quelque chose une semaine, la semaine d'après, ça change. Fait que là, naviguer à vue, c'est épuisant, c'est fatigant parce qu'on peut pas regarder à l'horizon, on peut pas dire, OK, on s'en va là-bas, puis après ça, oui, on va bifurquer en cours de route. C'est juste que là, on
justement, on est un petit peu tanné d'avoir la tête dans le brouillard. Fait que, mais c'est drôle parce que cet après-midi, juste après cette réunion-là, on entame vraiment une séance de planification stratégique pour faire vraiment un plan un petit peu plus clair sur quel chantier on va vraiment mettre en place. Parce que oui, on connaît nos grands chantiers, mais là, de façon plus opérationnelle, on va se relever la tête du guidon. On va un petit peu regarder vraiment comment on aligne nos flûtes pour les prochaines étapes. Ça va faire du bien parce que là, c'est ça, ça fait un an qu'on est vraiment en mode genre... gérer l'équipe de 60 à distance, c'est pas évident. Mais c'est aussi gérer une méga croissance en pandémie. Tu sais, je pense que l'équipe a grossi d'un petit peu moins de 50% depuis le mois de janvier de 2020. Ce qu'on ne s'attendait pas particulièrement à ça. On était en croissance en janvier dernier. En mars, ça a crashé d'un coup. Puis après ça, en mai-juin, ça a reparti. Puis là, effectivement, l'équipe a cru. Mais tu gères une croissance à distance avec des projections financières de même, parce que à chaque nouveau confinement, on se demande un peu qu'est-ce qui va se passer, si les clients vont, eux, être frileux ou s'ils gardent leur cours. Fait que c'est ça. Mais après ça, tous les autres aspects que tu as énumérés, culturels, technologiques, c'est tous d'autres défis à affronter, mais ceux-là, on est plus habitués parce qu'ils font partie, on le savait qu'ils allaient faire partie. Fait que c'est sûr que là, que le brouillard se dissipe, il est temps, là. C'est le fun d'avoir un peu de vision sur l'avenir. Mais tu sais, je pense que la solidité qu'on a actuellement, financière, mais aussi au niveau, je pense que de notre équipe. Croissance et de notre équipe, elle provient du fait, comme tu disais au départ, qu'on est une bête un peu étrange avec plusieurs modèles d'affaires, plusieurs unités qui amènent de l'eau au moulin comme ça. Ben, s'il y en a une qui est plus chambranlante, on en a d'autres qui peuvent prendre le relais. Mais je reviens à ce qu'on disait tantôt. Le défi, c'est aussi, c'est non seulement de garder ça solide, mais de ne pas s'éparpiller aussi, puis là, de rajouter la France. Fait que c'est juste de tenir bien des pions en même temps, puis de continuer à faire ça en contexte de croissance sans une injection massive d'argent qu'un VC pourrait apporter, par exemple. J'aimerais qu'on puisse peut-être aller aux questions du public. Là, je rappelle qu'on est en direct sur Facebook et sur YouTube et que cette conversation a probablement suscité plusieurs questions. Il y en a une première ici de Marty Bouteau. Donc, au-delà du financement, demande-t-il, avez-vous eu l'accompagnement requis de la part d'organisations publiques ou privées? Ben, de l'accompagnement, il y a eu beaucoup de... Tu sais, on a parlé à beaucoup de gens. Je pense que les premières étapes, c'est qu'on a parlé à peu près à tout le monde qui a des liens avec la France au Québec, en tout cas dans notre secteur. Des gens qui avaient eu des expériences bonnes ou mauvaises pour qu'ils nous préviennent des écueils à éviter, qu'ils nous donnent des contacts à les rencontrer. Donc, tu sais, au niveau privé... Puis on a un bon comptabiliseur aussi. On a un comptabiliseur dans l'entreprise aussi qui nous a aiguillés. On a quelqu'un qui s'appelle Sylvain Lombroso dans notre comité aviseur qui a bâti des entreprises à Paris et à Marseille, qui les a vendues, qui a des contacts là-bas. Ça a été lui qui a été l'entremetteur avec Florent, notre directeur général de la partie média. Donc, c'est certain que le réseau qu'on a développé au fil des années de façon personnelle et professionnelle a vraiment joué un gros rôle. Après ça, on a fait la ronde de lait, là, la délégation du Québec à Paris. On parle à l'ambassade du Canada, donc le réseau officiel. Mais qui est le fun parce qu'il nous donne des contacts qui seraient difficiles à avoir du jour au lendemain. Après ça, ça peut être autant des clients commerciaux que des gens qui peuvent nous aider à plein niveau là, pour la mise en place bureaucratique d'entreprises et en France. Parce que ça, c'est. On s'éparpille. On ne parlera pas de ça, mais la mise en place d'une entreprise en France et d'un système comptable qui parle avec ici, ça a été quand même un défi. Il y a plein de plans comme ça. Donc, oui, on est accompagné, mais je vous dirais que c'est à la façon institutionnelle formelle. C'est ça. Par exemple, le Fonds québécois a créé, Serge Thibodeau, qui a lancé le programme d'exportation, a créé un espèce de club des entreprises qui ont été soutenues par le Fonds québécois. Donc, puis Serge, quand il nous apporte son soutien, il nous dit ben va parler à tel producteur qui a vendu des émissions à France Télévisions ou à TF1, va parler à un tel qui a des activités. Donc, il crée une espèce de club ad hoc, un peu semi-formel, disons, où tu peux aller t'asseoir avec ces gens-là, puis ils sont disposés. C'est comme des gens, justement. Puis c'est comme ça, les Québécois, on est souvent, tu sais, quand on est sur le territoire québécois, on est des concurrents, mais quand on s'en va ailleurs, on est des alliés parce qu'on a tout intérêt au succès de nos compatriotes. Donc, les gens ont été très généreux, mais il n'y a personne qui nous a donné une petite enveloppe avec genre un contact direct au succès français. Fait une checklist, des instructions, ça n'existe pas. C'est ça. Fait qu'on l'apprend à la fois en le faisant, mais c'est certain que
le réseau, c'est niaiseux quand tu es en affaires, le réseau, c'est quand même ça qui fait en sorte que tu peux aller plus vite dans la vie. Ben, c'est ça qui, le réseau qu'on a bâti depuis des années, c'est ça qui nous a servi d'abord. Bien désolé d'apprendre qu'il n'y a pas de recette magique. Là. Je pensais qu'on aurait la liste précise du chemin à faire. Dans le livre, dans 10 ans, ça va être là-dedans. Question de Ananov. Travaillez-vous avec des jeunes agences créatives qui proposent des produits de divertissement novateurs axés sur l'interactivité et les arts multidisciplinaires? Ben, c'est arrivé par le passé, tu sais, dans notre historique de producteurs interactifs, on s'est toujours accoquiné avec d'autres agences, des boîtes de création numérique avec qui on faisait des projets. C'est sûr que là, quand notre focus c'est redirigé vers l'idée de bâtir un groupe média, ben on a essayé de développer le plus d'expérience puis d'expertise à l'interne. Fait qu'on a nos équipes technologiques, on a nos équipes de création à l'interne. Fait que ça arrive. Mais dans l'ADN d'Opania, il y a quand même la collaboration. Ouais. On a toujours le magazine, quand on l'a lancé, l'idée c'était de collaborer avec plein de gens, des gens, des créateurs auxquels on n'avait pas accès, qu'on était avec des projets plus traditionnels avec des clients. Fait que le magazine a instauré un petit peu cet esprit de collaboration-là. Fait moi, je dirais qu'on est toujours ouvert à faire proposer des bonnes idées, des bonnes collaborations. Puis si, tu sais, c'est classique en affaires, si c'est win-win, si on peut aider une entreprise à déployer un projet, à tester un projet avec nos équipes, on est toujours prêt. C'est certain que, tu sais, on ne crachera jamais dans la main tendue pour justement développer quelque chose avec nous. Ça nous intéresse, puis peut-être toutes les idées qui peuvent nourrir notre création nous intéressent. Merci. Une autre question ici de Véronique Levert. Selon vos apprentissages, quelles sont les erreurs à éviter quand on planifie une exportation à l'international? C'est de ne pas avoir de partenaires sur place. Puis c'est un processus qui est super long de trouver ces bons partenaires-là. Puis c'est niaiseux, mais il y a une grosse part d'instinct puis d'intuition là-dedans. T'sais, nous, quand on a trouvé les deux bonnes personnes, c'était presque mystique, tu sais, on savait tous les deux que c'était eux que ça nous prenait, tu sais, mais ça a pris des années avant qu'on les trouve, tu sais, puis pour vrai, ça aurait été une grosse erreur de partir ça sans eux. Ça, puis ce qu'on disait tantôt, c'est que sans les partenaires, ça veut dire que c'est nous qui portons le poids, c'est nous qui devons développer ça, donc certainement que ça aurait coûté plus cher, ça aurait pris plus de temps. Et puis, on aurait délaissé notre focus de l'entreprise à Montréal parce que notre focus aurait été de développer quelque chose ailleurs, donc on aurait dispersé nos énergies, on aurait perdu de la vélocité à Montréal. Donc, c'est certain que c'est ça, c'est vraiment l'idée d'avoir des gens. Mais tu peux pas faire d'erreur. On a testé avec un collaborateur avant, un an ou deux avant. Ça n'a pas fonctionné, on a perdu de l'argent, mais ça fait partie du processus. Puis si on l'avait pas fait, cette erreur-là... Ça nous aurait peut-être coûté plus cher après. T'sais. Ben oui, tu sais, on a appris plein de choses suite à cette mésaventure. Puis, tu sais, l'autre erreur à éviter aussi, c'est de penser qu'il faut le faire plus tard. T'sais, à un moment donné, il faut enclencher les actions qui nous font avancer. Il faut donner des entrevues, dire que se commettre qu'on va commencer ça en janvier 2020, comme ça, t'as pas le choix après. Ben, c'est vrai que, tu sais, moi, ça faisait 5 ans que quand on m'interviewait sur le futur, je mentionnais toujours la francophonie. Ben, tu dis, bon, mais quand je vais le faire, ben, ça fait 3 fois que je le dis en interview qu'on va le faire. Fait que, tu sais, on s'est un petit peu mis peinturé dans le coin, mais délibérément, c'est une façon de se challenger et de se forcer un peu à faire quelque chose. Mais c'est certain que si on attend les circonstances parfaites, elles n'arrivent pas. À un moment donné, la part de mystique dont Raphaël parlait, bien, c'est développer des relations, puis à un moment donné, une relation de confiance qui vient à se bâtir. Puis à un moment donné, tu as confiance à la personne devant toi, bien, tu sautes, puis ce ne sera pas parfait, tu vas te chicaner éventuellement. Mais au moins, tu as développé cette relation-là, mais à un moment donné, il faut sauter à l'eau, il faut le faire. Bon, alors si jamais, ce que je retiens, c'est que si jamais j'ai à animer une autre conférence où vous serez là, je vais continuer de jaser d'Urbania Belgique, Urbania Suisse et tout, et Urbania Maroc, je sais pas, là. On va continuer de faire un petit peu de chemin là-dessus, puis éventuellement, peut-être que ça va vous pousser, vous donner un petit peu de vent dans le dos pour ces projets-là, pour la suite. Un petit mot de la fin avant qu'on rende, j'allais dire, l'antenne à Zou. Tu vois la fin? Ben, c'est pas mal ce que je viens de dire. Je pense que le côté de se commettre, là, parce qu'on parle, puis il y a une différence aussi entre l'exportation puis aller implanter une marque à l'étranger. Exporter, ça veut dire que tu prends quelque chose d'ici que tu vends à l'étranger.
aller s'implanter, c'est vraiment bâtir des relations. Donc, nous, c'est vraiment ça notre désir. Oui, on exporte déjà des programmes qu'on vend à travers le monde, mais aller s'implanter, bâtir une entreprise comme ça, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment ça notre souhait. Mais fait, le mot de la fin, c'est soyez ambitieux. Puis ben, parfois, tu sais, quand tu m'as demandé de pitcher 2003 tantôt, si en 2003, tu m'avais fait un flash-forward aujourd'hui puis raconté tout ça, tu sais, j'aurais dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Mais puis tout, regarde, ça, c'est mes espèces de sagesse entrepreneuriale. Tout n'arrive pas aussi vite qu'on le souhaite. Tout prend plus de temps. Mais on peut aller beaucoup plus loin qu'on pense à coup de petits pas. Tu sais, je pense que à coup de petits détails. Puis je vais juste faire du coup sur le côté d'ambition, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est assez commun au Québec. On se pense plus petit qu'on est. Tu sais, on est comme gêné d'avoir, de s'exporter, de vouloir avoir des ambitions plus grandes que le petit pain pour lequel on est né, tu sais. Mais pour vrai, à chaque fois qu'on va en France, on est impressionné. Il y a bien plus de monde qui nous connaissent qu'on pense. Ils nous pensent bien plus gros qu'on est réellement. Fait tu sais, des fois, il faut comme bomber le torse un petit peu plus, puis il faut hésiter à le faire. Puis c'est pas. Il y a personne qui va nous prendre pour des fraîchis ou. Mais ça, c'est ça. Par rapport à la France spécifiquement, là, si je veux dire quelque chose, j'espère qu'il y a des Français qui nous écoutent, c'est vrai. Mais les Français, là, sont un petit peu arrogants, puis parfois, ils ont une petite attitude comme s'ils nous prenaient de haut. Mais le mieux, là, en bon québécois, c'est de leur répondre du tac au tac, montrer que ça nous intimide pas. Parce que le moment donné où un Français te sent intimidé, là, c'est comme deux bêtes, là, dès qu'il y a une zone vulnérable. Il n'y a rien qu'un Français mieux que de se faire répondre du tac au tac. Ça, c'est mon petit conseil informel. Un excellent mot de la fin. Oui, très pratico-pratique. J'espérais qu'on ait justement le temps de passer à travers tous les détails de cette expérience-là. Bien sûr qu'on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'on en retire, c'est vraiment beaucoup d'inspiration. De la part de votre expérience, ce que vous avez envie d'accomplir, ce que vous avez déjà accompli. Et franchement, c'est dans le contexte très particulier, comme je mentionnais, qu'on vit cette année, c'est d'autant plus inspirant de voir toute l'ambition que vous déployez, toute l'énergie que vous déployez à continuer de bâtir cette marque-là qui visiblement n'a pas dit son dernier mot. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion-là aujourd'hui, Philippe Lamarre et Raphaël Huismans. Merci. Merci toi, Catherine, puis le poste de... C'est bon, ben, merci. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres. Merci Philippe, Raphaël et Catherine pour votre générosité puis pour ces propos toujours très inspirants et les conseils avisés pour traiter avec nos cousins français. Et de notre côté, ne manquez pas l'événement Horizon de mercredi prochain, 31 mars, où nous aborderons le thème de financement pour start-up. Vous trouverez tous les détails sur la page événements de Zoom. Bonne fin de journée!